Ashraf, Ashraf, t'es où? Ashraf Hakimi, ça fait 2-3 mois que je te cherche, mais je te vois pas là. T'es où? Ashraf Hakimi, boycotté, surcoté, il a disparu, j'entends tellement de choses. Donc, on va mettre les choses au clair. Ashraf Hakimi, transféré de l'Inter au PSG pour 60 millions, tout va bien. Donc, Hakimi, très bon coup pour le PSG. Masterclass sur masterclass, début de saison. Hein. Il met même des doublés. Connexion avec le Mbappé, incroyable, tout va bien. Passe des buts, passe des buts, passe des buts accélérés. Que la Ligue 1 était choquée. Tout le monde était choqué. Tous les présidents de Ligue 1 étaient choqués par Achraf Hakimi. Et tous les supporters d'ailleurs. Et là, depuis 2-3 mois, invisible. Aucune passe D, aucun but. J'ai aucune passe D, je sais, il a mis une passe D contre Lorient pour la tête d'Icardi. Mais bon, avant ça, c'était nada. Rien. Ouais, Lou. Et on n'a pas connu Achraf Hakimi comme ça. Donc, il y a un problème. Mais quel est le problème Hakimi au PSG? Wesh, c'est comment? Le boycott des Argentins. Alors, c'est simple. Pendant les matchs, depuis 2-3 mois, depuis que Di Maria est revenu en tant que titulaire sur le côté droit, il y a des choses bizarres qui se passent. Même si Hakimi a donné une passe D à Di Maria sur le match contre Brest, je crois. Et là, depuis, rien. Messi et Di Maria, rien. Pas de passe, c'est le néant. Hakimi, il met des fusées sur le couloir et Di Maria, il fait ça. Voilà, Di Maria, c'est comme ça. Il voit pas son côté droit, mais il voit tout ce qu'il y a. Il fait plus de passes à Colin Dagba qui est sur le banc qu'à Achraf Hakimi. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Même Messi, hein, Messi donne aucun ballon, presque aucun ballon à Hakimi. Hakimi, en fait, c'est un sprinter. Il fait que des sprints. Il s'entraîne pour les JO, je sais pas, c'est comment. Mais aucun ballon va sur lui. Dites-vous, il y a une stat qui était sortie comme quoi Messi et Di Maria ont donné plus de ballons à toute l'équipe que Achraf Hakimi. Sans compter le gardien, bien sûr. Ça, c'est une stat boycott. Moi, je dis, c'est bizarre. Bizarre. Encore sur un match, deux matchs, tu peux comprendre. Mais sur un mois, deux mois, c'est bon, à un moment donné. Et en plus, sur certains matchs, tu vois Hakimi débordé, il est tout seul sur le côté. Il est tout seul. Il est solo. Mais c'est incroyable. C'est soit tu le hais le joueur, soit tu veux pas qu'il joue avec toi. Peut-être tu veux, je sais pas, un autre joueur à la place d'Hakimi, mais c'est terrible, c'est vraiment terrible. Comment un joueur comme Hakimi est boycotté alors que le PSG joue très mal, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien, on va pas se mentir. À un moment donné, il faut que Messi et Di Maria, surtout Di Maria, parce que Messi, vas-y, il vient d'arriver, il connaît pas très bien le club, ça peut se comprendre. Di Maria, ça fait 55 ans qu'il est au PSG, et en plus, il veut même pas intégrer Hakimi. Je sais pas, il a quoi avec Hakimi, mais il faut qu'il règle vite ce foutu problème. Et à un moment donné, on va lui passer des boussoles, hein, pour qu'il capte le nord, le sud, l'ouest et l'est, parce qu'il faut qu'il se situe pour le PSG. En fait, au PSG, il y a qu'un joueur qui joue avec Hakimi, c'est Mbappé. C'est Mbappé! C'est moi, wesh. Je sais pas si c'est la nouvelle connexion du Real, mais bon, petite blague. Mais il y a que lui. Après, tu vois, t'as les défenseurs qui jouent aussi un peu avec Hakimi. Par contre, les Argentins, c'est pas y'a quoi avec Hakimi. Il a dû mettre un triplé contre les clubs de cœur de Di Maria, Messi ou même Paredes quand il joue. C'est terrible. La prochaine fois, regardez un match du PSG. Bon, là, il y a la CAN, ça va être compliqué. Mais la prochaine fois, vous allez voir, regardez les rediffs. Hakimi, c'est terrible. Donc, la solution serait que les Argentins, surtout Di Maria, jouent plus avec Hakimi. Comme ça, les adversaires pourront un peu plus défendre sur Hakimi, donc libérer des espaces de l'autre côté. Et donc, le PSG aurait beaucoup plus de facilité à marquer et à construire le jeu. Di Maria ne le sait pas. Et surtout, l'entraîneur Pochettino. Donc maintenant, le deuxième problème, c'est Pochettino. Pochettino, entraîneur du PSG, qui n'a aucune tactique, qui change tout le temps son équipe, qui sait pas comment jouer. Déjà, tu rentres dans une équipe avec Pochettino comme entraîneur, t'es en galère. Lui, je sais pas comment il fait pour sa tactique. Vous voyez, c'est ça sa tactique. Je sais pas comment le PSG gagne des matchs, vraiment. Même tu peux remplir l'équipe avec les stars du monde, t'as pas de tactique. Si ta formation est incohérente, tu ne peux rien faire. Et dites-vous, dans une interview, Pochettino a dit « Hakimi avait l'habitude de jouer en piston, à 4. Il doit apprendre à défendre différemment, mais aussi à juger quand il peut attaquer et quand il ne peut pas. » Comment tu peux dire ça? Là, on dirait il parle aux joueurs de la Youth League. Wesh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est il a qui comme joueur? Mais même ça, Dagba, tu lui dis pas. Tu dis ça à personne, sauf à des joueurs de 17 ans, 18 ans qui n'ont jamais joué en pro. Il n'est pas débile, il sait comment jouer. C'est seulement ta tactique qui est vraiment bizarre. Déjà, t'as une équipe pour jouer en 3-5-2. T'as Ramos, t'as Kimpembe, t'as Marquinhos, t'as Hakimi et Mendes. Tu peux faire une dinguerie avec cette compo? Mais non.
Hakimi, il est bridé à cause de Di Maria déjà. Di Maria, il fait pas des efforts défensifs. Il donne pas le ballon à Hakimi. À un moment donné, Hakimi pète un plomb. Il va pas faire que des allers-retours pendant 90 minutes. Donc, bah vas-y, moi je reste à ma place. Je fais plus les efforts. Je défends, je fais mon match et basta. Et donc, tu le brides. Il y a, je sais pas, il y a des analyses vidéo, j'en sais rien. C'était un club. C'est Paris. On parle pas d'un club amateur du dimanche matin. Là, il y a les moyens. J'arrive pas à capter ça. C'est terrible pour Pochettino. De toute façon, il y a un vrai problème au niveau des entraîneurs au PSG. Et donc, ce qui serait plus logique, c'est que Pochettino parte. Hein. Voilà, ça, c'est la première solution. Et que Paris prenne un entraîneur, soit qui a de la poigne, qui sait gérer les stars, soit un entraîneur vraiment très bon tactiquement. Mais un entraîneur comme Pochettino, Emery et tout ça, tu peux pas les mettre au PSG. En plus, là, maintenant, t'as Messi, hein, le meilleur joueur du monde avec toi. Mais bref, vas-y, je vais rien dire. Donc, en vrai, faut virer Pochettino. Ça serait la meilleure des solutions pour Hakimi. Et un entraîneur qui sait utiliser ses joueurs et maximiser leur potentiel. Mais il y a aussi un autre facteur, c'est que peut-être qu'à Paris, c'est beaucoup plus compliqué de réussir parce que l'environnement, tout ce qui est autour, etc. Déjà, actuellement à Paris, c'est le bordel. On le voit tactiquement. Techniquement. Autour, etc. Rien que l'histoire avec Icardi, ça veut tout dire. Tout ce qui... En plus, Paris peut être un énorme club s'ils avaient une organisation simple, correcte. Mais à Paris, c'est... je comprends pas. On dirait que t'es un fan qui dirigeait le club. Il n'y a pas d'organisation, malheureusement. Alors que Paris peut être une dinguerie. Chaque année, peut faire des trucs de malade. Surtout pour Hakimi. Hakimi, on sait très bien, hein, il va un jour ou l'autre retourner au Real. Mais je sais pas quand. Et après, je sais qu'à Paris, c'est très dur de partir de Paris. Donc, on verra comment ça se passe pour Hakimi. Les solutions pour Hakimi dans tout ça, c'est que Di Maria et Messi lui fassent plus de passes, que Pochettino change de tactique, ou alors que Pochettino soit viré, et que Hakimi, je pense que Hakimi, la CAN va lui faire énormément de bien. Il n'y aura pas de Di Maria en équipe nationale du Maroc. Donc à ce niveau-là, tranquille, va au moins jouer 3-4 matchs bien et libéré. Mais il faudra vite régler ce problème, surtout contre le Real. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quel est le vrai problème pour vous pour Hakimi et comment le résoudre. Quelle est la solution pour que Hakimi s'épanouisse comme à l'Inter et à Dortmund. Et d'ailleurs, Pochettino dit que Hakimi, il a du mal à jouer à 4, avec le Maroc il joue à 4 et avec Dortmund il joue à 4. Oh. Bisous, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée.